Aujourd'hui, on joue à Evoland. Il fait un temps de 22 degrés et du soleil ici en Bretagne. Et j'espère que vous allez bien. Donc, je vais pas être très énergique aujourd'hui, je pense. C'est le premier jour de mes règles et en général, quand c'est comme ça, je suis une vraie limace. Donc, je m'excuse par avance. Et puis, bah, on est parti. Je connais pas du tout le jeu. C'est un tout nouveau jeu pour moi que je vous présente ici si vous ne le connaissez pas. Et aujourd'hui, on va juste découvrir le jeu, du coup. Donc, c'est mon ami Yarmat qui m'en a parlé. Et alors, apparemment, il se joue en manette. Il va falloir que je branche ma manette. Je vais laisser la musique du jeu aujourd'hui, exceptionnellement. Enfin, pas exceptionnellement, c'est juste que pour les premiers lives... Alors, attendez, j'ai un problème de fil. Hop... Salut Tensai Sendo, enchanté, bienvenue à toi. Quel genre d'intro. Écoute, ici c'est nature peinture. Hein. Eh bah oui, bah c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Alors, enchanté. Enchanté. Et donc voilà, du coup, voilà, je veux dire, Terracid, il parle de ses hémorroïdes en live, à un moment donné, si je peux pas parler de ça, il y a un problème, quoi. Et donc, nous allons jouer à Evoland aujourd'hui. On commence une partie, hein. On débute le jeu. Je vais virer la musique du coup, parce que là ça va vous faire double son, c'est pas ouf. Hein. Je vais éteindre la musique.
Ça, c'est la musique du jeu. Elle est un peu répétitive dans l'intro, je trouve, mais en même temps, les jeux qui sont qui font style rétro gaming, et ils aiment bien avoir une musique comme ça qui boucle. Ah oui, j'ai pris l'édition légendaire, donc du coup, j'ai les deux jeux en même temps. C'est plutôt pratique en soi. J'avais même pas percuté quand je l'ai acheté, en fait. Donc Yermat, ma collègue du crew, m'a conseillé ce jeu parce que, comme j'adore l'histoire du jeu vidéo et tout, et elle m'a dit que c'était un jeu qui était parfait pour moi. Débloqué direction droite. Ah ouais, j'ose espérer quand même. Ok. Direction gauche, faut bien varier le plaisir. Alors déjà, c'est assez drôle. Déjà, on est sur un bon humour. J'aime bien le truc. Par contre, on n'a plus du tout de musique, là. J'espère qu'on va avoir de la musique, quand même. Ah, mouvement 2D. Le silence me fait peur. Enfin, vous voyez où vous allez. Scrolling. Ah, d'accord, ce genre de scrolling. Ok, scrolling à la Zelda sur Game Boy. Ok, donc ici, il y a de la caillasse. Ah, un autre coffre. Effet sonore. Ah, d'accord, j'ai bien fait de couper la musique, en fait. Ça fait partie du truc. Effet sonore, c'est tout de suite plus vivant. Ah bah oui, bah quand même, oui. On suit le chemin qui nous est indiqué. Scrolling homogène. Ça vous... Oui, ouais, parce que ça faisait un peu mal. Oui, on est d'accord. Donc là, le scrolling suit mon personnage. Ah oui, donc ça se construit vraiment comme les jeux à l'époque, quoi. Au fur et à mesure du temps, on gagne des petites choses qui font évoluer notre sensation de jeu. C'est rigolo. Par contre, comment j'accède à ce coffre? Je vois qu'il y a des arbres qui sont différents ici, mais je peux rien faire. Je vais traverser ce pont. Comment ça va, Tensai Sendo? C'est la première fois que tu viens. Comment as-tu entendu parler de ma chaîne? Je sais pas si on m'entend bien, j'ai déplacé tout mon bazar, je fais mon ménage ce matin. Hop là. Qu'est-ce que cela? Ah, c'est des buissons, d'accord. Okay. Allez, un deuxième pont. Et là, il y a un buisson qui m'empêche d'accéder au coffre. Donc, on va prendre le pont. Ah! Je peux maintenant tuer des monstres et couper des buissons. D'accord. Parfait, merci. Si je peux couper des buissons, je ne peux pas, je pense, couper des arbres. Comment j'utilise cette épée, d'ailleurs? Comme ça. D'accord, donc, je vais des buissons, je vais couper ce buisson. Donc là, on est très très guidé hein, pour l'instant, on peut pas aller très loin dans le jeu. Oh là là, ça me rappelle les Zelda de l'époque. Ah, tu viens de Twitter, ok. Oh, le bruit. Oh, la nostalgie. Trop bien. Je me rappelle, le seul Zelda où j'ai pu jouer, parce que moi j'avais pas le droit d'avoir de console en fait, du coup j'allais sur la console de mon frère. Mon petit frère, hein, logique. Ah, merci Manolia4, je suis désolée d'écorcher ton nom, c'est lamentable, mais je suis la moitié de moi-même aujourd'hui. Merci beaucoup pour le follow. Ah, de la musique. Et Voland, premier au top 50 depuis 2012. Donc ouais, le premier Zelda auquel j'ai joué, c'est l'oracle du temps. L'oracle des saisons, pardon, que je dis pas n'importe quoi. Donc là, on revient sur notre pas. Et je peux pas accéder à ce coffre-là. La musique est très cool. Ah, d'accord! Tu suis un compte de Streambot. Ok, il y en a plusieurs, hein. C'est vrai que y en a qui me retweetent. Je sais qu'il y en a plusieurs qui me retweetent, mais... D'ailleurs, il y en a un qui m'avait contacté pour que je mette un hashtag spécial pour qu'il me retweet et j'ai oublié. J'ai oublié ce qu'il m'avait dit. Coupons des buissons et explorons ce monde. Qu'est-ce que cela? Oh, on dirait une piste d'hélico. Oh, attends, on entre dans un nouveau monde là, il y a de la neige. Oh, j'ai débloqué un point de sauvegarde. Une évolution qui a changé les jeux pour toujours. Ah, bah oui, clairement, c'était du tryhard avant.
donc mon point de sauvegarde. Tout votre stress disparaît. Ça va, j'étais pas mal stressée là tout de suite non plus, quoi. Comment je sauvegarde? Juste en passant dessus, visiblement. Ok. Où est-ce que je peux aller de... Ah, il y a un autre point. J'en viens, non? Ouais, je viens de là. Où est-ce que j'ai pas été? Moi, je crois que j'ai été partout, en vrai. Ouais. Enfin, partout où je pouvais aller, en tout cas. J'aime trop la petite musique. En vrai, ouais, c'est un crime de jouer à ce jeu sans la musique, parce que du coup... Enfin, tout est super bien réfléchi. Déjà, le peu, enfin, vous avez vu, ça fait même pas 2 minutes ou 3 minutes qu'on joue. Et il s'est déjà passé tellement de trucs. Ah, je peux pas aller là. Là, je peux y aller si je coupe avec ça. Ah, bah, il y avait un coffre. Trouver toutes les étoiles dévolantes. Donc, il y a un but du jeu. C'est quand même essentiel. On fait pas qu'explorer l'histoire des jeux vidéo. J'ai gagné une carte pour jouer. Double Twin, qu'est-ce que le Double Twin? Est-ce que ça se coupe les cactus? Il y a des monstres derrière. Ah, il y en a que... Oh, on est passé en couleur! C'est trop mignon! On dirait Zelda, mon bonhomme, avec son petit chapeau. Merde, des monstres. Les couleurs, elles sont beaucoup plus nettes que l'oracle des saisons, hein, clairement. Là, on est sur un bien meilleur level de couleurs. Par contre, je peux toujours pas aller là où je veux aller. Il y a un coffre là qu'on n'a pas pris tout au bout. Hein. Je sais pas comment faire. Parce que je croyais que j'étais de la neige, en fait c'est du sable. Comme quoi ça change tout d'avoir la couleur. Alors, voyons. Je veux aller là! Je veux ce coffre. Alors attendez, il y a peut-être un truc à faire. Pas vu, mais c'est vrai que maintenant je peux couper des buissons. Et voilà. Tac. Ah, voilà ce que j'avais pas vu. Tac. Octorak. D'accord. Qu'est-ce qu'Octorak? Comme Goldorak, sauf que c'est pas gold. Bah attends, il y a d'autres buissons là. Ah, vous ne m'aurez pas. Une autre étoile. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que j'ai pas vu? Finalement, il faut faire des allers-retours. Enfin, remarque, dans Zelda aussi, il faut faire des allers-retours. J'ai perdu mon chemin. Je sais plus par où j'étais arrivé. Où est-ce que j'ai commencé le jeu déjà? Pas là déjà. J'ai commencé le jeu de l'autre côté. Pas descendre là. Ah si, on pouvait peut-être... Attends. C'est là où j'ai trouvé le coffre. Ah. Par contre, débloquer des raccourcis, ça serait pas du luxe. Hein. Alors. Merde, je sais plus d'où je suis venue. Alors, comment j'ai fait mon compte, moi? Pour arriver de ce côté, je suis bien partie de quelque part. Le point de départ du jeu. Ah, tant pis. J'ai peut-être pas vu certains trucs, du coup. Ici, on a tout fait, par contre. Et ici... Du coup, on était parti dans ce biome-là. Sauvegarde de la gratuité. On était allé ici. Ah, il n'y a rien d'autre.
Tac, tac, tac. Et ici, il y a des mobs. Ah bah super, bravo. Bon bah au moins, je vais retourner à l'endroit où... à l'endroit où j'ai commencé. Là, l'inattention d'une personne. C'est vraiment parce que j'ai pas réagi assez vite que je me suis fait avoir. Parce que je les ai vus depuis 3/4 d'heure, les trucs, hein, mais... C'est pas une histoire de difficulté. Oh non, je recommence depuis le début, du coup. Et merde. Bon. Droite, gauche. Au-dessus, le scroll. Ouais, il y a des trucs à faire, là. Il y a des plantes aussi. Effet sonore. Coffre 1. Et là, le pont. L'épée. Et là, on va revenir en arrière. Comme ça, on se plantera pas. Donc moi, je suis venue du haut. Voilà. Et je trouve une première étoile en haut. Ensuite, en redescendant. Je peux revenir complètement au début. Ah ouais, on est d'accord, je suis venue du haut. Comment j'ai réussi à oublier mon chemin aussi vite, hein. C'est impressionnant, ça. Pas possible, je suis venue, mais pas par là, alors. Il y a un autre chemin. Comment j'ai fait? Ça, j'ai déjà oublié, c'est fou. Hallucinant. Et je veux pas refaire... En fait, je veux pas refaire la même chose que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, du coup, j'ai certes débloqué le coffre, mais j'ai pas retrouvé mon chemin vers le tout début. Mais en fait, si ça se trouve, c'est ça le chemin du tout début, c'est juste que comme ma caméra a changé, je reconnais pas, en fait. Et je pense que c'est ça. Je pense que oui, c'était là. C'est là le début, c'est là que commence le jeu. Bon, du coup, on récupère Octorak. On va quand même essayer de récupérer de la musique et de la couleur, là, parce que c'est un peu tristounet, là, cette histoire. Là, on est dans les débuts des années 90, là, niveau qualité de jeu. Hop. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de pas mourir. Et en vrai, en fait, j'étais pas obligée de me farcir les monstres, là. Je peux faire le tour. Hop. J'ai fait d'ailleurs. Ah non, si je les avais tués. Les avais tués. On verrait juste être vigilant. Voilà. Voilà. Ah, la musique. Et le fameux biome neige qui n'en est pas, donc de la neige. Bim, sauvegarde. Papa. Deuxième étoile. Et la couleur, ça fait du bien. Je vais peut-être... Vas-y, meurs le monstre. J'allais dire, je vais peut-être aller sauvegarder ma couleur, mais en fait, ça m'a pas servi à grand-chose, parce que quand je suis morte, je suis pas revenue à mon coin. Cette fois-ci, on traverse le pont, mais on meurt pas bêtement, si possible. Voilà. Viens, créature. Non,
tu as un mouvement très caractéristique. Mais non, mais... J'étais en train de dire qu'il avait un mouvement répétitif, simple. C'était trop simple pour moi, visiblement. Ça va. Ah non, attends, il va me ramener à laquelle, là ? Du coup, je sais pas à quelle partie il m'a ramené. Je sais pas si... Ah ouais, non, mais en vrai, j'avais tous les coffres, de toute façon. Je sentais qu'elle était véhémente, cette chauve-souris. Ah, un autre point de sauvegarde. C'est déjà fini ? Après des siècles de paix... Ah non, c'est l'histoire, d'accord. Après des siècles de paix, un mal ancien a ressurgi et menace le monde des Volandes. Vous êtes l'un des rares membres de l'Ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde... pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût, mais on dirait que les affaires reprennent. D'accord. Donc on peut débloquer l'histoire de la sorte. Ok. Oh ! Cette qualité, d'un seul coup ! Ça ressemble presque à des vrais graphismes. Game Boy Color ! Non, le Game Boy Advance, là. À faire de l'autre bord, hein, en vrai. Bah déjà, je viens de passer devant un coffre en l'ignorant. Ah, ça tombe bien, je sais lire des trucs. Parfait. Qu'est-ce que je lis ? Le chemin est réservé aux aventuriers agiles. D'accord. Bah, je vais faire le chemin qui est peut-être pas réservé aux aventuriers agiles, alors. Essaie de pouvoir... Bon, là on a dit qu'il y avait de la caillasse, là on a globalement fait le tour ici en fait en vrai. Là je sais pas comment on se débarrasse de ça. Donc ici il y a le point de sauvegarde, et là où il y a quoi? Ah! Une étoile! Prenons le chemin réservé aux aventuriers agiles. Je suis pas sûre que je fasse partie de cette catégorie, mais c'est pas grave. Un panneau ! Le passage est bloqué par la pierre dimensionnelle. Essayez le chemin vers l'est. D'accord. Quand tu veux dire vers l'est, tu veux dire cet est-là ? Parce que du coup, je suis obligée de descendre au sud aussi. Dimensionnelle. Ah, sauf si je vais là. J'ai pas débloqué de casser les cailloux. Donc ça aussi, c'est une pierre dimensionnelle, du coup. Quel autre chemin puis-je emprunter ? Compliqué, cette histoire. Ça me fait une belle jambe de tout redescendre.
Donc le chemin vers l'est n'est pas une solution, en tout cas pas comme ça. J'étais trop près. Bah, du coup, c'est là. Donc j'avais trouvé les deux colosses là, et en fait il faut pas rester trop près. Voilà, et... passage de plus maintenant. En fait, c'était le chevalier dans Sacré Graal qui gardait la porte. On a changé de musique! Et j'ai débloqué la carte du monde. Que je sais pas comment on l'ouvre, mais... Bataille tour par tour. Ah, ça y est, on est dans FF maintenant. Ouf, dans Pokémon. Oh là là. Attaque. Le Steam. Aïe! Ok. Attaque, j'ai pas d'objet. Ouais, j'ai gagné. Ok, il est trop bien fait le jeu. Ok, donc je peux croiser des bêtes dans les herbes. Encore ? Ouais, ils sont trois maintenant. Aïeux, aïeux, aïeux. Je vois pas trop combien j'ai de vie. Ah, 63, ok. Aussi une bouffe de vie ici quand même. Hein. Donc je gagne des glisses, je sais pas à quoi ça me sert par contre. Ok, je vais arrêter de traîner dans cette zone. Ah, oh, je fais que rencontrer des slimes. Je pourrais fuir, mais je suis pas ce genre de personne. Mes points de vie vont me dire que je suis peut-être ce genre de personne. Allez! Est-ce que je vais pouvoir utiliser mes glisses pour me soigner au bout d'un moment ou... Parce que là, ça commence à être un peu violent. Ah, un coffre. Oh! 2D isométrique! La mode 7. Ce truc-là, j'avais oublié, enfin, c'est même pas une vraie 2D isométrique, c'est un plateau, c'est juste un plateau, quoi. En fait, t'es sur un plan au lieu d'être en 2D, quoi. T'es sur un plan incliné au lieu d'être en 2D. Oh, j'avais oublié cette mode-là. Oh, c'est chelou. Je crois que j'ai jamais joué à un jeu avec ce système-là. Par contre, faut que j'arrête avec les slimes, je vais finir par mourir comme... Et les points de sauvegarde, ça a pas l'air d'être très près. Bon, l'avantage, c'est qu'on se fait des pépettes en or, quoi. Mais ce mode de jeu, il est trop bizarre. Ah ! J'ai débloqué nom de lieu.
Ok. On est revenu sur un affichage un peu raisonnable. Par contre, ici, il y a des ennemis et mes points de vie sont pas fifou, quoi. Village de Papunica. Eh oui, mon point de sauvegarde. Ah merde. J'aurais dû sauvegarder. Erreur. Bon, je suis dans un village. Où puis-je aller dans ce village? Maison ouverte. Ah oui, c'est mieux quand même, parce que bon, là je tourne en rond, mais... Ah! Qu'y a-t-il dans cette maison? Une chambre. Plusieurs portes. Oh, mignon, c'est très cosy ici. Ah non, c'est des fenêtres. D'accord. Pas facile. Un coffre! Débloqué aubergiste, vous pourrez toujours vous reposer ici. Ouh. Ah, il est là. Ok. Reposez-vous dans mon auberge, c'est seulement 10 glisses. Bah, surtout bien, j'en ai plein. Force de tuer des slimes. Sauvegarder, oui. Bon, j'ai un peu oublié mon point de sauvegarde tout à l'heure. Donc la mode 7, visiblement, ça a été abandonné très vite. Et c'est pas plus mal, c'était un peu dégueulasse. Encore une maison. Qu'y a-t-il ici? Personne. Rien, quoi. Débloquez vendeur, il est toujours content de prendre votre argent. Ouais, bah ça, on s'en doute. Bonjour, vendeur. Vente d'épée est interdite aux enfants. Bah merci bien, c'est gentil. J'apprécie ce que vous faites. Bon, et ben tant pis, on va te faire cuire un œuf. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a d'autres maisons ici. Ah, on peut pas rentrer dans celle-là. Débloqué PNJ, quelqu'un qui parlait, il est très bon ce PNJ. Désolé, je ne parle pas aux enfants. Ah, c'est parce que je suis un enfant. Tout s'explique. Ah, Torque. Coucou, hey Master. Ça va? Sympathique ce petit village. Ah, un autre PNJ. Va jouer avec les autres enfants. Vous savez, ils sont vraiment charmants, les gens ici. Je pense que je peux casser le tonneau pour passer le pont, mais je vais continuer d'explorer ce village. Tiens, rien. Ici, il y a le pont. Ah, un autre PNJ. Les adultes ne sont pas drôles avec les enfants. Bah ouais, je vois ça. Si seulement j'avais une graine de croissance, je ne serais plus un enfant. Mais la graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Il fait trop noir là-dedans, je veux pas y aller. Ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Mais avant ça,
je veux faire tout le tour du village. Bon, ça va être vite fait parce que j'ai fait le tour. Ok, il n'y a rien d'autre. Très bien, donc je vais voir ce que je peux faire pour toi. D'abord, qu'y a-t-il de l'autre côté du pont? Ah, on revient en... Merde, je croyais que le map c'était fini. Ça va. Moi ça va. Ça va, un peu fatigué, mais ça va. On retourne à Papunica. Ah, un autre PNJ. Bonjour. Oh. Bah, va te faire. Vous êtes des gens mal polis, de toute façon. Bon, le puits est là. Et là... Ah, mais j'ai pas d'épée, du coup. Oh, vendeur de merde. Bon, il est où, le puits, déjà? Ah, une autre personne. Qu'est-ce que tu fais là? Les enfants devraient être couchés. Mais je te jute. Je vais aller au puits. Descends dans le puits, ouais. Débloqué endroit secret. Ah. Est-ce que j'ai mon épée? Oui. Ah, la graine de croissance. Je peux pas la prendre. Ah si. Vous avez trouvé une étrange graine, voulez-vous la manger? Ah, mais si je la mange... Non, je veux la prendre juste. Ah, je suis obligée de la manger. Mais il veut que je lui rapporte. Attends. Je vais faire un nom. Je vais voir s'il y a autre chose que je peux faire. D'accord. Ça fait ça que je voulais faire. Donc là il y a un lac. Donc j'ai que deux choix. Soit je la mange. Soit je la mange quoi. Bah oui, mais moi je voulais... Ah, j'ai grandi. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'enfants dans les jeux vidéo? Très bonne question. Très bonne question. C'est vrai ça. Bon, maintenant je suis un adulte. Par contre du coup Jean-Mich-Mich, je lui ai volé son truc, je vais aller m'excuser platement. Grave, du coup il s'en fout. Au pire, il ira en chercher une tout seul. Bon, maintenant que je suis un adulte... Ah, on me dit des choses intéressantes. Les cavernes de cristal au nord sont très dangereuses. On dit que le fantôme de Kefka y habite. D'accord, mais personne n'y est jamais revenu. Personne n'en est jamais revenu. Donc ils arrêtent d'être mal polis maintenant que je suis grand. Bienvenue au village de Capunica, passez un bon séjour. Ah ouais, non mais attends, ils sont super sympas maintenant que je suis un adulte. C'est tellement abusé. Du coup, le vendeur, il veut peut-être me vendre des trucs maintenant. Attends, là, on est à l'auberge. L'auberge, c'est cool aussi, mais... D'ailleurs, j'aurais peut-être dû aller sauvegarder à l'auberge. Mais bon. Déjà, je vais acheter des trucs. Wesh, le vendeur, là, qui voulait me vendre tout à l'heure. Ah bah oui, bah maintenant, oui. De suite, j'ai de la crédibilité. Chut. J'ai déjà une épée. Une armure, ça pourrait être pas mal. Je sais pas combien j'ai de sous. Un jet de sous quand même. Que de phénix. Carte rare. Ok. On va acheter une armure déjà. Votre défense a augmenté. Wesh. Je vais aller à l'auberge sauvegarder. C'est marrant parce que c'est un jeu où tu fais vraiment l'histoire du jeu vidéo, mais en même temps, t'as quand même une vraie histoire, un vrai fil rouge quoi. Let's go! Ah oui, c'est vrai, il y a le pont en bas. Donc, oui, donc lui, il m'a dit bienvenue au village. Lui, il m'a dit qu'il y avait un truc au nord. Et lui... Ouais, toujours pareil. Et là, il y a quelqu'un d'autre. Une jeune fille est passée il y a quelques temps, une amie peut-être. Aucune idée. Je viens d'apparaître dans ce monde, donc je ne sais pas. Et j'étais un enfant il y a 2 minutes. Oh, cette map. Oh, j'en peux plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Un émuc. Ok. Battons l'émuc.
Oh là, j'ai beaucoup augmenté en PV, par contre les murs ils me fracassent sévère. Ok. Mais c'est au nord du coup qu'ils veulent que j'aille. Là je suis redescendue vers le sud. Oh no! Encore un ému. Oui, c'est ça, il fait trop froid ma taille. Comment je peux aller vers le nord? Ah putain, ah non c'est un slime, c'est tout. Ça va, les slimes c'est pas très con. Bon, je vais retourner au village. Et je vais essayer d'aller au nord du village. Si c'est une chose qui est possible de faire. On a pas encore son par là déjà. Par contre j'ai peut-être été lège en potion, peut-être falloir que je m'achète 2-3 autres potions quand même. Ok, encore une. Oh, puis allez, vas-y, mets-en une autre. Voilà. Donc pour l'instant, on peut pas acheter plusieurs objets à la fois. Genre plusieurs potions. On va voir si ça va apparaître en cours de jeu. Mais du coup, on peut pas aller au nord par votre chemin, là. Quoi, tu dis quoi? Il y a des monstres puissants sur la route. Il faudra un meilleur équipement pour passer. Mais j'ai un bon équipement, gars. J'ai une armure, je sais pas quoi. Ah, je l'ai peut-être pas équipé. Je peux pas descendre. Je veux juste voir ce que j'ai. 5 potions et une armure de cuivre. Ah, mais attends, l'épée, elle est plus dedans. Alors, je rachète une épée longue. Il fait un temps dégueu, il y a une averse comme pas permis à côté. Je me dis c'est marrant, j'entends du bruit. Au nord, il doit y avoir une sortie à côté du puits, mais je pense en fait qu'on peut passer par le puits, mais le truc c'est que je suis pas équipée comme il faut. Voilà. Là je vais pouvoir bastonner des monstres. Je vais faire une petite save. Pour la forme. Aubergiste! Donnez-moi une chambre. Merci bien. Hop là. Ah bah voilà, de suite. Allons au nord, voir ce qui se passe. Le mode 7, j'en peux plus, c'est horrible. C'est dégueulasse. Je me souviens avoir joué... Si, je me disais que je m'en rappelais pas, mais si, je me rappelle avoir joué à des jeux d'avion comme ça en mode 7, à l'époque. Eh, mais ils ont vachement l'avantage, ces mecs, là. Ah, mais ça va, je les tue en un coup, par contre. Allez, c'est des enfoirés. J'ai besoin du pouvoir du cristal de la caverne pour sauver mon village. Peux-tu m'aider? Bah oui. Débloquer, faux choix, le scénario un peu linéaire. Oui ou oui, enfin non, Kairis. Oh, tu vas rester appelé comme ça. Kairis nous a rejoint. Ah oui, là il y a un passage. Encore des slimes. Kairis, c'est pas du tout une référence à Iris, hein, je pense, du coup. Attends. Ah, d'accord. Et ben, tu vas me faire une magie dessus. Au niveau PV, je peux être dans un meilleur état.
Bon. D'accord, donc on peut pas aller plus loin par là. Voilà. Kaeris, tu vas me soigner. Ah bah non ! Ah bah non ! Oh, je voulais profiter de Kaeris pour me soigner. Oh, attends. Donc ici, c'est un passage. Une grotte. Une caverne de... Ah, les fameuses cavernes de cristal, d'accord. Nous devons trouver le cristal ! Ok. Mon pouvoir peut changer notre perception du monde. Avec lui, nous pourrons combattre le mal qui menace mon village. Au fait, j'ai oublié de te demander ton nom. Bah, il serait temps, oui. Clink. Clink. Ah, j'adore. Ah, je laisse. C'est Cloud et Link en même temps. C'est pour ça. Il s'appelle Clink. Mais elle réalise enfin que vous êtes un humain, vous aussi. Débloquez monstre des cavernes. Oh non, on dirait que c'est... Oh non, c'est habité. Ah, il y a des Pokémon dedans. Je suis joué avec qui, là? Ok. Oh, super. Bravo. Voilà, soigne-le. Comment j'attaque? Après, ils sont faciles à avoir. Voilà. Et là, y'a rien. Putain, mais il a un très bon rythme, le jeu. Franchement, il est bien foutu. Il y avait des petites vannes partout. C'est trop bien. Attends. Ah, je savais bien qu'il y avait une arme. Oh no, un combat. J'espère pas du tout qu'Aeris juste pour me soigner. Alors. Quoi là-dedans? J'ai trouvé une potion. Ah, j'ai bien fait de regarder. Je peux pas accéder, il faut faire le tour. Bien sûr, je vais rencontrer d'autres... Oh, un autre coffre. J'allais dire, je vais rencontrer d'autres monstres. Oh, maintenant, ça y est, je peux avoir des niveaux. Ça rigole plus. Attention. Ah, un torque cette fois-ci. Est-ce que tu peux faire des attaques qui... Ouais, c'est peut-être un peu sérieux, ça. Je vais juste me soigner. En fait. Link a atteint le niveau 2, caractéristique augmentée, attaque. Wouh! Ça rigole plus. Ah, si Link a atteint le niveau 2, là on est bien. Chaussette. Allez, hop. Oh, une étoile. Cobra 0. Ok. Genre, c'est un jeu de moi et Cobra 0, je suis sûre. C'est lamentable. Débloquer fontaine de vie. Curieusement, ça soigne les blessures. Bah, ça part. Allez, let's go. Oui. Ouais, ça sauvegarde aussi. Parfait. T'es pas un insecticide là pour virer toutes ces créatures? Merci. Ok. On va faire trois pas sans rencontrer un truc ici. Qu'est-ce que cela? Oh no! Pourquoi j'ai marché dessus?
Mais quelque chose s'est ouvert quelque part. Ok, mais où? La carte Skaven. Et encore des Skaven. Justement, quand on parle du loup. Bon, toi, tu fais que de la magie parce que c'est une façon. Les attaques, elles sont pas très fortes. En vrai, peut-être qu'il faut que je continue à la faire attaquer et elle prendra du loup. Je crois en elle. Alors. Oh! Un caillou! Vous avez réveillé le gardien du cristal. Oh, ça sent pas bon ça. Ah oui! Bonjour, fantôme de Kefta. Vous allez bien? Il garde le cristal depuis des siècles, mais on dirait qu'il a été corrompu par un pouvoir maléfique! Probablement le même qui a attaqué mon village. Allons-y! Nous avons besoin du cristal! Clink! Clink, il cause pas, genre. Il est trop badass pour parler, c'est pour ça. Ok. Vas-y, attaque. Débloqué, boss animé, il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. Oui, c'est vrai. On est d'accord. Vas-y, attaquez tous les deux. Papa! Fouille! Non, tu veux attaquer. Caractéristiques augmentées, magie. Le cristal a été activé, c'est parfait. Waouh. Oh, on est en 3D. Ah, ça rigole plus. Les pouvoirs du cristal est incroyable. Maintenant nous pouvons combattre le mal qui menace mon village. Mais nous devons traverser les mines de la Noria. Les mines de la Noria pour l'atteindre. Évidemment, on va rentrer un Balrog. Merci de ton aide, tu es mon héros. Avec son bâton de Sakura. Ah non. Merde, j'ai recliqué. Hop. Passons-nous. Alors, Clink. Clink, c'est vraiment un croisement de Cloud et de Link. C'est insane. Débloquer musique 16 bits. La musique évolue aussi! Oh mon dieu! J'adore! Ce jeu est trop drôle! Oh les cœurs! On n'avait pas ça encore! Viens la chauve-souris là que je te tape! Venez créatures maléfiques! Pas du tout en fait. En vrai d'ailleurs les chauves-souris sont des créatures plutôt sympathiques. Et non, elle ne s'attache pas dans les cheveux. C'est faux. C'est un gros mytho. Ok, l'épaule. Donc là, on est retombé sur des poulpes et pas des bêtes qui pop. De nulle part. Les fameux slime et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, Kairis, elle nous a lâché, je pense. Et ça y est, on a sauvé son village.
texture pixelisée, quel réalisme! Ça rigole plus! C'est beau! Non, pas trop. Je sais pas ce que je préfère en vrai. Au final. Ça, c'est l'âge Mario 64. Bon, à part ton pelouse, là, on fait quoi? Il n'y a pas de chemin par là. Par où c'est-il qu'il faut qu'on aille? Non, on peut pas les ouvrir encore. Oh si! Débloquer pierre dimensionnelle franchie, on dirait le début du jeu. Oh, je suis revenue. D'accord. Donc je peux revenir en arrière. Ah ouais! Donc ça c'est le début du jeu, mais version 3D. Trop bien. Ah! Excellent. J'adore. C'est là ça que ça me disait, chemin réservé aux aventuriers agiles. Donc là, il y a le point de sauvegarde. Ok. Là, le fameux désert. Je peux toujours pas m'en débarrasser. Ah, celle-ci. Ah, celle-ci aussi, elle est franchie. Ah, voilà. Vie bonus. Les monstres vous donneront parfois un peu de vie. D'accord. Oh! Débloquer Zoom. Vous avez l'air cool quand vous ouvrez les coffres. Parfait. Ça, j'avoue que ça manquait. La musique est beaucoup plus épique quand même comme ça. Ah, j'ai gagné un cœur avec le coup. Hey. Texture HD. Oh, ah oui, là c'est joli. Là c'est plus. Là, c'est les premiers Animal Crossing. Oh, yeah! Une petite étoile! Bah d'ailleurs, il y en a une là. Je suis passée devant. Attendez. Il y a un squelette sur le sol. Ah oui, d'accord, le sable, il a des textures comme ça. Encore une étoile? Sur le sol. Mais nous, ça déjà, on vient là? Ah, on vient là. Alors, je perds des cœurs bêtement. Hop, descendons par. Ah non, je peux pas. Bonjour, Kairis, tu as changé de tête. Les mines de la Noria sont juste au sud. Nous pouvons rejoindre mon village en les traversant. Let's go. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. Allons-y, Kairis. Putain, cette map en mode 7, j'en peux plus. Ah, débloquer le monde en 3 dimensions. Ah, c'est quand même un peu plus agréable. Ah, là, il y a un chemin. Oh, c'est joli, les mines de la Noria. Musique de suspense, il y a des statues. Ok. Débloqué mine ouverte, vous pouvez maintenant explorer les mines de la Noria. D'accord. Faut pas casser les poules. Ça marche.
pas si mine finalement. Donc ça c'est la sortie. Ok. Qu'est-il là-haut? Une chauve-souris, un coffre. Cette porte est fermée. Merci Capitaine Obvious. Nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Je compte sur toi. Ça, on avait vu que tu comptais sur moi. Bouc à sable. Ah bah oui, bah quand même. Bah oui, parce que les plaisirs les plus simples sont les meilleurs. On est d'accord. Voilà. Je peux pas passer. Ce n'est pas exactement Fort Knox. Bah ouais, mais on fait comme on peut, quoi. Alors, ça, c'est une plaque à pression. Ok. Elle a ouvert quoi? Ça n'a pas ouvert ce que je voulais. Aïe. Parce qu'il fallait activer les deux. Débloquer mécanisme d'ouverture, on se demande pourquoi ils ont des portes. Tellement. Ok. Ah, débloquer mage, parfait pour sécher vos vêtements. Oui, d'accord, je voyais pas ça comme ça. Quand tu dis sécher mes vêtements, tu parlais de ça. Ah! Saloperie! Istépé! Reviens! Reviens! Où est-ce qu'il est? Ah, quand même. Et ça, je peux pas le casser encore. Là, il faut une clé. Oh, on voit ma souris. Excusez-moi pour ça. Piège de... Pièce piégée. Vous n'aurez peut-être pas dû rentrer dans cette pièce. Chiotte. Mais ça valait le coup quand même un petit peu. Ah, un tout petit peu, parce que j'ai perdu pas mal de vie. Ah, ces pratiques, elles sont toujours du bon côté des portes. Ah, c'est pas faux. Débloquer squelette. Il a juste besoin d'un mort. Ah putain, je perds de la vie, je perds de la vie. La vie dans... Ah voilà, la vie dans les... dans les pots. Qu'est-ce qu'il y a, Kairis? Je vois quelque chose sous l'eau. Ouais. Il doit y avoir un autre mécanisme par ici. J'espère bien. Oh tiens donc, ça ressemble à un mécanisme. Ça ressemble à un mage. Il faut que quelque chose s'est ouvert quelque part. Merci. Oh, toi tu me casses les noix. Sincèrement, je sais pas où tu es, mais tu m'emmerdes. Oh, il me saoule. Il va m'avoir. En vrai, il va m'avoir. Et ma sauvegarde, elle est pas si proche que ça. Rien, rien, c'est pour votre bien. Je l'ai tué ? Non, j'ai pas tué. Je sais que j'ai pas de vie. Labyrinthe, toujours à droite, ça devrait marcher. Je vais revenir sur mes pas avant d'aller dans le labyrinthe. Ah, mais de toute façon, j'en ai pas débloqué d'autres. Et merde, j'ai pas de vie! Je devrais gaspiller une de mes potions. Ah, mais je peux même pas. Kairis, aide-moi! Je vais mourir! Et je veux vraiment mourir. Est-ce qu'il y a un peu des sorceries par là? Elles vont pas me laisser vivre longtemps, je pense.
Donc ça me redonne de la vie, ça me va. C'est ennuyant et un peu supportable quand ça s'arrête. Venez là, les chauves-souris, donnez-moi des cœurs. Non, mais quand j'ai dit donner les mains, c'était pas pour m'en enlever avant. Merci. Qu'est-ce que j'ai gagné? Une clé! Ah! Cher. Ah bah tu me l'as oublié lui. Ah bah une étoile en fait. Donc le coffre. La clé elle m'amène. Ici. Voilà. Oh non, putain, c'est bête. Efficace avec les squelettes. Moi qui ai un cœur dans ce coup. Ouais. J'ai débloqué les blocs mobiles, ça a l'air lourd, mais vous faites pas mal au dos. Comment je fais? Comme ça. Bien vite cette pièce. Ah, je savais bien qu'il y avait un truc. Ils vont me faire chier, putain. Oh, sérieux? Pourquoi ils sont si nombreux? Non, je vais devoir les attaquer de face, j'ai pas le choix. Casse les couilles. Ah, sauf que ma dernière sauvegarde, elle est loin. Putain, je suis à l'entrée du truc. J'ai la haine. La musique est horrible. Y a pas moyen de choper ce coffre-là, s'il y a peut-être un truc.
Mais j'ai loupé un coffre, en fait. Il y en a un autre en bas. Là, je pense que je peux l'avoir. Donc il faut prendre le labyrinthe. Allez, let's go. Ok, bon déjà je suis un peu en meilleure position au niveau de mes cœurs pour commencer le labyrinthe que tout à l'heure. Putain, mais il se tourne trop vite. Ouais, là, on est dans un couloir. Ça peut être intéressant pour nous. Oh, il m'a bien lu, ce coup. Ah oui, c'est là qu'il y a des squelettes qui me sont tombés sur la tête. Donc, j'ai 2 cœurs et demi. Enfin, 2 cœurs et 1/4. On va voir ce qu'on peut faire avec 2 cœurs et 1/4 quand c'est squelette. Ma strat, elle est nulle. J'en ai eu un. Ok, 2. Ça y est. J'essaie de pas les prendre de face, en fait, mais... c'est pas facile, j'ai pas beaucoup de mobilité. Interface HD, adieu Pixel, bienvenue à l'anti-aliasing. Ah oui, c'est beau. Il y a beaucoup de monstres dans cette pièce. J'espère que tu vas bien. Désolée de ne pas pouvoir combattre avec toi. Laisse-moi au moins soigner tes blessures, tu serais bien aimable. Merci beaucoup. Ce sac à dos de qualité. Attends, il y a une créature. Quoi? Attends, mais attends, il a une arme. Vas-y, là. Comment je le tue, lui? Par contre, lui, il peut me faire mal.
Rocket trou. Un moment formidable pour se débarrasser des monstres invincibles. D'accord. Donc pousser. Alors, je suis mal barré, je suis pas du tout dans la bonne position. C'est moi qui dois te pousser. Voilà, merci. Gauche ou droite, l'un des deux est dangereux. Super. Let's go. Et merde. Elle vous emmènera gentiment vers le piège le plus proche. Ah, c'est bien dommage. Ok. Éteins tout bon. Voilà. Pas de précipitation. Et merde. Je disais quoi déjà? Pas de précipitation, c'est ça? Débloquer la carte Clink. Ah bah j'ai une carte de moi. Magnifique, je sais pas où je suis. Oh putain, je suis au début du labyrinthe. Quelle tristesse. Le seum est immense. Cœur, c'est la merde. Ah ouais. D'accord. Et sachant que je dois refaire les squelettes là. Donc là, je vais en chier par contre. Je pensais que j'aurais les squelettes. Donc là, il y a une sauvegarde automatique dans le donjon. Donc ça, c'était les fameux, les deux sont dangereux. Et donc les tornades. Les aventuriers sont forts et intelligents. D'accord. Je m'occuperai du puzzle quand les mages ont disparu. Je vais commencer. Alors, donc il faut être fort et intelligent. Et prendre des cœurs peut-être. Qu'est-ce qu'on fait de ce puzzle de lumière? Ah. D'accord. Ah, c'est pas possible que ça marche parce que du coup il me manque un. Ok. Là, il manque une clé. Ah bah oui, des pics. Je me disais, on en est pas encore eu. Avec des tornades qui poussent dans les pics. Ah bah oui.
C'est marrant. La clé. Bien sûr, je dois faire demi-tour avec ces saletés de tomates de merde. Ça s'est plutôt bien passé. Ok. Ah bah un point de sauvegarde, ça m'avait manqué. Les blocs lave, non, elles ne se transforment pas en obsidienne. C'est bien dommage là pour le coup. Et là il va y avoir des tornades, non ça va, des chauves-souris. Ok. Alors Kairis, j'ai un mauvais pressentiment. Attention, tu mets les pieds. Oui, effectivement. Je vois. Allez, on peut le faire. Ah bah non, comme ça. Ok. Voilà, donc elle a un mauvais pressentiment. Ok. Ok. Avec laquelle j'ai progressé quand même. Oh non. De lave et de boule de feu, c'est galère. Allons. Ok, on y croit. Alors, déjà, on va commencer par dégager ça. Hein. Voilà. Mais il y en avait des boules de feu déjà au début. Okay. Oh merde, j'ai oublié. Putain, j'ai trop une mémoire courte des fois. Je dois me concentrer sur la chauve-souris. Keblo!
putain, j'étais presque. C'est mort. Ah bien, le bruit stressant. Le bruit stressant qui va bien. Ah bah oui, parce qu'il y a aussi des dalles qui s'ouvrent. Ah bah sinon c'est pas drôle. Allez, ah bah oui. J'aurais dû m'en douter. Non, je vais crever, je vais crever. Ah bah oui. J'espère que je reviens dans cette salle-là. Mourez, bande de chauves-souris. Laissez-moi tranquille. Voilà, donc là, on est vigilant. Voilà. Passer ce truc là. Bon. Toute seule, j'ai même pas été poussée par une boule de feu. Oh putain! C'est la salle de merde où on est enfermé. Et de la porte du boss. Non mais attends, mais... Ah, c'est celle-là, d'accord. Ok. Donc là, il y a 200 monstres. Je vais juste récupérer des cœurs. Hein. D'affronter tout le monde. C'est dangereux. On va commencer par les petites chaussures. Squelette.
tablette, il repop. La mangraine. Ah, je souris, ça part. Coucou. Ah, voilà. Ah, ton tel était déchargé. Dommage. Ah ouais, il y a du pipo là. Ça va, Stella? Ça va, va. Bon, du coup, on a libéré... On a ouvert des portes, là. Là, on peut pas passer. On a ouvert les portes ouvertes, c'est là-bas. C'est un raccourci pour aller à la salle du boss. Gagné. Ok, par contre, j'ai pas un masque. On n'a pas débloqué le coffre qui permet de casser les murs. S'il y en a un. Il y a une présence maléfique tout droit. Sans déconner. J'espère que c'est pas encore un horrible monstre. Bah si, c'est sûr. Peut-être un monstre mignon cette fois. Je ne pense pas. Quelque chose approche. Dingue. Vous ne passerez pas. Hé, hey, il te ressemble, Clink. C'est le Clink maléfique. Est-il réel ou est-ce simplement une ombre? Clink. On est tellement dans... Comment Kingdom Hearts? Et il lance du feu. Ah. Et il se reconnaît. Je prends cher. Oui, oui, maintenant il a sur son mec. Eh mais non mais. Ah, putain, ah bon. Non mais je vais mourir, c'est sûr. Et voilà. Ah. Il est un peu débile, il va se coder tout seul contre les murs le mec. Oh non. Mais non, on n'est pas revenu là. Oh, j'en peux plus de ce truc. Sérieux, ça a pas sauvegardé quand j'ai battu tous les mobs. Oh, je suis dégoûtée. Je pensais genre t'atteins le boss, ça sauvegarde, tu vois. Que dalle. Oh. Ça quand même, ça a pas... ça les a pas refait popper. Je peux aller battre le boss. J'arrive un peu mieux loti cette fois-ci si j'ai 3 coeurs. Keris, quelque chose approche. Vous ne passerez pas. Hé, hey, il te ressemble, Clink. Est-il réel ou est-ce simplement une ombre? Non, c'est juste un débilos. Sauf qu'il lance du feu. Putain. Ces attaques de flammes, là, c'est l'enfer. Ça lui fait rien, il doit avoir un point faible. En doute. Oh, putain, il casse les couilles avec son feu. Là, il m'a eu avec sa lance. Ah, merde. Ah, faut pas que je reste de face avec lui. Il va plus se cogner contre les murs.
m'emmerde. Je veux dire, je vais Micha, mais moi aussi, ma Micha. Non. Mais il y en aura peut-être après, hein. Moi, je peux pas lire le chat tout de suite. Tu disais, des messages arrivent en double. Ça pourrait me soigner, genre quand on est dans les couloirs. Hein. J'ai tenté une strat de rester dans le coin, mais ça marche pas. Pas de vie. Pas trop, c'était la fin. Bah non, tu peux pas te heal, tu vois, t'as vraiment, tu peux rien faire. La seule qui peut te heal, c'est Kairis, sauf qu'elle le fait pas. C'est une personne malveillante. En fait, elle, ça te l'arrange que tu te fail, je pense, sûr. Thank you.
Allez, c'est qui part. Non, moi, maléfique. Et mec, Link, il répond jamais. Le mec est badass, du coup, il parle pas. Mais arrête avec tes chauves-souris de mort, là. Mais donne-moi des cœurs, saleté de chauve-souris! J'en peux plus de faire ce passage. Je vais bien finir par l'avoir, hein, mais quand même. Quel enfer! J'ai déjà perdu un demi-cœur. C'est nain. En fait, c'est un mage qui est derrière. Thank you.
putain. Ok, alors. C'est dur de faire au pop à l'écran du boss, là. C'est chiant. Ok. Par contre, Kaïs, ne me parle pas pendant le combat, c'est chiant. Voilà. Donc on se contente d'éviter les pics et les boules de feu déjà. Je pense qu'on va partir sur un strat d'évitement. Putain. Il va m'embrouiller avec ses chauves-souris là. Maintenant, il faut réussir à l'avoir lui, mais il faut qu'il se mange un mur. Moi, qu'il est ce qu'il a, moi. Aïe! J'arrive pas à lui enlever plus d'un cœur et demi là.
Et ce point de sauvegarde de l'enfer, là. Perdu un demi-cœur. En me cassant la gueule dans les flammes. Fais chier. Effectivement, là, une petite potion, ça aurait pas été du luxe. Peut-être que j'ai moyen, là. Merde. Ah, je l'ai eu. Merci pour les cœurs. Ah, merci pour le raid, Miss Click. C'est trop sympa. Bienvenue à tous les raideurs et raideuses. Bonjour. Prenez place. Vous arrivez à la fin de mon live, mais on est en train de jouer à Evoland. Oh, l'épée légendaire de Cloud. Elle a l'air lourde, mais elle vous rappelle quelque chose. Alors, Evoland, en fait, c'est un jeu qui raconte l'histoire des jeux vidéo. Donc c'est un petit RPG, ça retrace un peu l'histoire des RPG, c'est trop mignon. De l'air frais, nous avons atteint la sortie des mines. Allons vite au village, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Et ouais, mon live normalement il finit à 4h. Hop. Débloquer combat 3D en attendant la quatrième dimension. Des combats 3D. Ah, combat. Ah oui, oulala, ah oui, c'est moderne. Wouh. Tout à l'heure, on avait de la 2D dégueulasse, hein, je précise. Mais là, c'est... elle a rien fait, Kairis. Ok. Cette map en 3D. Je connais pas du tout le jeu, mais il est trop mignon, il est trop marrant. Ah, c'est ça le village? Ah oui, c'est le village. Un autre village. Décor précalculé, une petite révolution graphique. Excellent. Ah oui, là on est dans FF, on est dans FF9 là au niveau des graphismes. Ok, Mogwai City. Ah, Mogwai City. Enfin nous y sommes. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas encore corrompu par le mal. Est-ce que le pouvoir du cristal va suffire? Bonne question. Demandons au PNJ qui est là. Bienvenue à Aogai. Notre village était florissant, regarde-le maintenant.
L'arbre de mana protégeait tout le pays, mais il semble que quelque chose soit revenu dans la citadelle des ombres. L'arbre de mana est lentement corrompu. Tout Aogai pourrait bientôt disparaître. Et le mal ne s'arrêtera pas là. C'est vrai, les déplacements, ça fait un peu Dragon Quest, ouais. Oh, l'écran de chargement, on avait pas ça tout à l'heure. Avec le vieux CD. Kairis, mon oncle. Ok. Mon oncle... Ok, bah merci beaucoup Miss Click d'être passée. Bah oui, ça c'est mes enfants. Est-ce que tout va bien? Entrez son nom, Sid. Il n'y a pas du tout de référence là, on est d'accord. En plus le mec porte les petites lunettes pour voler et tout, hein. Petite lunette d'aviateur. Kairis, tu es de retour, le mal continue à s'étendre. Presque la moitié d'Aogai est déjà touchée, nous devons agir vite. Et il est bourré de références à FF, le truc. Kairis, mon nom, nous avons le pouvoir du cristal ainsi que l'épée de Cloud. Oui, donc l'épée de Cloud, en fait, c'est vraiment l'épée de Cloud, quoi. Ça devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. Oh, et j'ai aussi trouvé Clink pour manier l'épée. Oui, c'est mieux, accessoirement. On est fin prêt. Allez, on va voler dans un truc, là, je suis sûre. Avec Sid. Pas si vite, vous aurez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. Évidemment, elle a été séparée en deux parties, la première se trouve dans le bosquet sacré. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Aogai. Ah bah évidemment. J'y suis allée la semaine dernière, et la falaise près de l'entrée s'était écroulée. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage. Vous devriez parler à Garen, le joueur de cartes chauves sur la place du marché. Il était officier dans l'armée, il sait peut-être où trouver des bombes. Ok. Clink, essaie de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré. Pendant ce temps, je dois trouver un moyen de devenir plus forte. Ok. Je ne devrais pas toujours avoir à compter sur toi pour me protéger. Je vais essayer de trouver quelque chose dans la bibliothèque de mon père. C'était un mage puissant qui connaissait de nombreux sorts. D'accord, ok. Imhotep. Je te rejoindrai plus tard, va chercher les bombes. Ok. Sa mère était aussi plutôt décidée. Bonne chance. Un membre du groupe s'en va. On se sent seul tout d'un coup. Ah bah oui. Oh, cet écran. J'adore. J'aime trop cet écran de chargement. Décor HD, c'est beaucoup mieux comme ça. Ah oui, c'est quand même un peu plus clean, ouais. Bonjour, villageois. Désolé, je ne peux pas t'aider. Je ne connais rien aux bombes. Ah, dommage. Comme si on n'avait pas assez d'ennuis de toute façon. La musique aussi est mieux. Ça fait 60 ans que je vis à Aogai. Aussi loin que va ma mémoire, la citadelle des ombres a toujours été abandonnée. Pardon. Mais un mal y grandit à nouveau, comme dans les anciennes légendes. D'accord. Merde, je suis retournée sur la place. Et il se passe rien là. Ok. Où est-ce que je peux aller du coup? Je vais suivre Kairis. Mais c'est la tempête chez moi! Oh, la vache! Ah, il y a un point de sauvegarde. Allons sauvegarder au point de sauvegarde. Et il est décidé, notre Clink, hein, quand il marche. Votre stress disparaît, ça me fait délirer cette situation. Ah, quelqu'un d'autre. Bonjour! J'ai entendu les rumeurs inquiétantes. Les gens disent que le bosquet sacré a été corrompu. C'était un endroit merveilleux. Et si c'est vrai? Si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Et effectivement, ça serait ballon. On peut toujours pas entrer dans les maisons. On peut aller par là. Gamin hyperactif, il court comme ça toute la journée. C'est vrai, il est dans tous les jeux, ce gosse. Des
débloquer marchant un peu cher. Il y a toujours des gens pour profiter d'une crise. Ah bah oui. Il n'est pas facile de s'approvisionner, mais j'ai quand même quelques bonnes affaires. Allez, ça part. Acheter... Oh, j'ai plein de sous. Allez, ça part, que de phénix. L'objet est maintenant dans votre inventaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Armure d'argent, lecteur de DVD. Ah, j'adore! J'adore! Ah putain, il me faut... Oh non, j'ai pas assez de sous! Carte rare. Oh, je suis déçue. Lecteur de DVD. J'aime trop l'idée. Ah bah attends. J'ai que ça que je peux vendre? Oh, je suis déçue. Je voulais vendre mon ancienne armure, mais bon. Joueur de cartes, prêt pour une partie? Ah, le fameux joueur de cartes chauve. Let's go. C'est quoi cette obsession avec les explosions? Je suis ton homme si tu veux faire une petite partie de Double Twin. Yes. C'est quoi les règles? Chaque joueur commence avec 5 cartes tirées aléatoirement dans son jeu. Les joueurs jouent une carte à tour de rôle jusqu'à ce que le plateau soit plein. Vous capturez une carte adverse si vous placez de façon adjacente une carte, avec un plus grand pouvoir sur le même côté. Le joueur qui a le plus de cartes à sa couleur en fin de partie gagne. Les cartes en main comptent pour un point de fin de partie. J'ai pas tout pigé, mais on va essayer. Okay. Elle est facile. Ok. Non mais mes cartes, elles sont pas folles. Je vais mettre une... Je sais pas ce que c'est. Vas-y. Ça a l'air trop compliqué. Il gagne. Ah non. Comment je peux faire? Il va me bloquer là. Je le bloque. Ok, ça fait augmenter ma carte. Ah. Qu'est-ce que j'ai là? Du 6. Mais en fait, j'ai très peu de cartes moi. C'est bon, j'ai gagné. Cette musique. Je t'aurai la prochaine fois. Et donc, du coup... Bon, est-ce que je peux savoir des choses sur les explosions? Tu cherches une bombe? J'ai pris ma retraite de l'armée de Demacia il y a trop longtemps. Tu devrais parler à l'infirmière au nord. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur Aoga et ses habitants. Ok. Ce gamin qui croit que c'est son papier. Uno. Tu cherches des bombes? Tu devrais aller voir la vieille dame près du puits. Elle garde des souvenirs bizarres dans sa cave. Les gens sont chelous dans ce village. En tout cas, j'ai bien fait de commander cette crème contre les brûlures graves. Ok. On va peut-être s'arrêter là, du coup, pour garder quand même de l'histoire. Je sais pas si le jeu est encore très long. De toute façon, il y a le 2, donc au pire, si la semaine prochaine on finit, je pourrais enchaîner sur le 2 si jamais ça nous prend pas 2 heures de finir. Donc la suite la semaine prochaine pour Evoland. Sinon, moi je vous retrouve demain pour le live pyjama à 10h, où on joue à Subnautica Below Zero. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi, merci d'être resté, hein, les gens du raid, merci beaucoup. Et puis, du coup, moi je vous dis à demain. Ciao ciao les amis! Bonne soirée, des bisous, si consenti bien entendu. Salut !